Bandeko na biso, balanzi ya Congo Live Television, na bisika nyonso bozali, tolobi matondo mingi, kopona Congo Live Television, pona kopesa bino basango oyo ya mboka na biso, République démocratique du Congo. Lelo, toza na basango lisusu ebele, tokokabela bino, yango tozo yebisa bino, boye elamu kolanda nouveau décryptage na biso ya lelo. Le 28 février 2024, lobby sanza oyo ekozala ezosila nango deja. Lelo tozala basango ebele oyo toko lobela, lelo tozala ba information ebele oyo toko lobela à ce qui concerne situation sécuritaire oyo ya Est ya République démocratique du Congo, place oyo biso tozali. Tozo observe boni makambo ezoleka, tozo observe wapi biloko ezokende, tozo observe tozo tala na biso, yango tozalaka awa mukolo nyonso, yango awa tozalaka ngonga nyonso, pona kopesa bino ba sango oyo ya moto moto à ce qui concerne la réalité sur terrain na makambo ye nyonso ezoleka na est ya kati ya mboka na biso. Loin na ba lokuta oyo munguna azo tia batu na epo basala lokuta, loin ya ba décryptage ya lokuta oyo munguna si a engagé batu bango pe baza ya kotia ba sango oyo eza ya lokuta po ba yebi na bango keno mukolo oyo mwana mboka akomona makambo wana mutema ekoya na ye moto yango ekozala pe in manière ya ko neutraliser bana mboka, c'est-à-dire bazo utiliser bango pe armé numérique oyo za internet ba réseaux sociaux oyo bango pe bazo salela pour propager les fausses informations, les fausses réalités, donc réalité à lukuta, donc za yango te yango pe bango ba pe bazo utiliser po bamona boni bako sala mabe na bana mboka, mais ko banga na bino te ba ye ya bino oyo tozali ba congolais de père et de mère. Baye ya bino oyo tozali concerné consacré ko pesa ka bino basango oyo eza ya vrai tozali wana pe tokotika ka bino jamais. Pour commencer déjà, comme d'habitude, je suis Youssoufou Kibingila David, naza journaliste d'investigation, je suis basé à l'est de la République, donc awa toza en direct de la ville touristique de Goma oyo boyoka ka place tozole kisa déjà basango na biso. Lelo tokolobela lelo basango ebele ya makambo oyo ezo salema à l'est de la République, donc ndenge na lobaki na ngana ko banda keno toza basé à l'est ya mboka, bayebino bofandi na diaspora, bayebino bofandi bolandaka biso, tolobi matondo mingi eza eloko oyo esali biso kitoko na motema. Tokolobela ba affrontement oyo ezo salema na kati ya territoire ya Masisi, ya des agressions oyo ya munguna. Munguna zolinga a tout prix azwa territoire wana, mais esi ekomelie makambo oyo mulai, ekomelie makambo ebele po azwa ata biteni biteni ya ba parti oyo ya Masisi, na biteni oyo azaki asi azwi ba mboka oyo M23 azaki asi mikabeli deja ba ebele na kati nango eza na possession ya batu oyo bazo beta na wana déterminé toujours le bela déjà FRDC na ba jeune résistant wazalendo oyo bazo beta na kati ya bitumba. Au-delà de ça, tokolobela oyo makambo ezoleka kati ya FRDC na SADC, il y a une grande collaboration, il y a une grande coopération oyo ezo salema entre SADC na FRDC mikolo oyo mbokoye ba eza nini, mais au-delà de ça, tokolobela pe ba affrontement oyo ezo salema na kati ya territoire de Rutshuru. Il y a des violents affrontements qui ont été signalés dans les territoires de Rutshuru. Pour rappel, vous devez déjà savoir que oyo esalemi quelques jours après nomination ya général major Tiko Tshitambwe na kati ya Nord Kivu na axe Rwindi, plus précisément place Biloko lobby et Betanaki oyo esengela kindenge. Et betana. Donc il faut déjà savoir ici que lobby makambo ezala kinango a moto moto dans les territoires de Rutshuru. Pour savoir, dans les territoires de Rutshuru, place oyo banguna ya M23 bazana base yango wana, le déclenchement ya ba opération et banda ki yango pe lobby bazo beta munguna comme il se doit. Pour commencer, les dames et messieurs, installez-vous confortablement bolanda masolo ba décryptage na biso. Ya lelo ndenge esengeli.
Lobby dans les territoires de Rutshuru, des nouveaux affrontements opposant les jeunes résistants Wazalendo aux rebelles du M23. À côté, il y avait des commandos au ya FARDC, au ba troupes boyoka qui il y a un certain temps qu'il y a des troupes militaires, il y a des troupes à ba commando pe na ba logistique mosusu au komaki. Pour vous dire ici bien que lobby babandaki bitumba. Bitumba oyo ebandaki lobby wana dans les territoires de Rutshuru eza bitumba oyo ezalaki ya moto moto. Les rebelles du M23 ont vu le fait par sa couleur. Les rebelles du M23 ont vu ce que mwana ya Munyarwanda oba bengaka koto na mboka keno mwana ya Munyarwanda ba monisaki couleur à moto boni moto ezalaka. De jeunes résistants du Wazalendo, des compatriotes au baza déterminés que ça la bitumba la guerre, rien d'autre que la guerre. Babanda qui peut lobby bitumba dans les territoires de Rutshuru, je le dis bien au départ, et que c'est quelque chose qui est signalé quelques jours après la nomination du général major Tiko Tshitambwe Oyazalaki l'autre fois dans cette entité Oyazalaki qui affrontait contre les rebelles du M23. Oye ayeli susu pona ko beta bana oyo ya M23 a beta banguna oyo ya M23, raison pour laquelle lobby wana bitumba e bandaki ba betanaki comme pas possible. Il y a deux autres villages qui ont été récupérés par les jeunes résistants Wazalendo, mais également par le commando oyo bazo sala elongo na ba Wazalendo babandi pe bitumba dans les territoires de Rutshuru. C'est ça, c'est à l'issue des affrontements qui ont opposé depuis le dimanche dans les territoires de Masisi, je le dis bien, au Bazouaki, 9 collines et 4 villages, donc, c'est-à-dire Baza Déterminé, Bazo Betana, au Détermination Bazanango et Zobima Wapi, au Détermination Bazanango et Zobima Epaï Yanani. On l'a bien dit ici depuis un certain temps, il y a certains qui le disaient que non, les FARDC depuis un certain temps, il n'avançait pas, il se battait. Tu vois que nous bazo beta mwana munyarwanda. Tu vois que nous bazo beta mwana muganda. Parce qu'il faut le dire ici, il y a même des renforts. Des Ougandais qui viennent toujours au lendemain, ils se renforcent chaque jour. Même lobby, ils se sont renforcés. Même lobby, les Rwandais se sont renforcés. Même lobby, les Ougandais se sont renforcés. Bayaga qui est belé, n'a pas renfort, n'a pas d'autres renforts. Et Kendaki dans les territoires de Masisi, dont les renforts et Tigalaki dans les territoires de Rutshuru. Baye oyo batikalaki na territoire ya Rutshuru, ba moko anande ba monaki moto oyo singalaki et salema. Les affrontements ont été signalés na niveau oyo ya Buiza, groupement Buiza wana eza ba localité, wana eza ba place oyo eza tellement stratégique. Oh Munguna Zaki Asia Mikabeli. Waneza ba groupement, ba localité. Oeza ba Esika Moko, Eza tellement stratégique. Où certaines autres personnes ne pensaient pas qu'il allait être possible que les rebelles du M23 soient délogés na ba entité. Ngonga Otozolo ba Baza na Kwe Moko, na Kwe Mosusu, Eza les jeunes résistants Wazalendo, na les FARDC, c'est-à-dire ba commando oyo ya FARDC. Les affrontements oyo salema na terroir wana yokelango musika. Yokelango musika. Détermination oyo ya FARDC eye nango mikolo oyo yokelango musika. Vous savez, comme vous le savez très bien, moi je me rends presque chaque jour au front. Ngana kindaka kuna. Nayebi ba vérité oyo elekaka kuna. Nayebi Bosolo oye le kakakuna ndenge na ebisa kibino keno tozo formuler, donc tozo finaliser certaines choses poto bandako pesa bino réalité oye exclusivité, c'est à dire bo tosa le kabino ba live na bitumba, tosa le kabino ba live na bitumba bo mona bino moko réalité ya bitumba boni bazo beta mwana munyarwanda na bitumba boni bazo beta bango kuna na bitumba. Bon, il va aussi dire perte. Oui, c'est vrai. On peut le dire jusqu'à présent, bien que l'armée montre sa détermination, c'est une bonne chose. Oyo bazo moni sandeng na tika koloba eza eloko moko ezopesa même fierté
na bana mboka oyo bafandi na diaspora, na bana mboka oyo bafandi na Kinshasa, me yeba yo pe bango bafandi na est ya mboka. Donc bazuza deja na espoir ya koloba keno lobito lobikuna eza eloko oyo ekosala vraiment très bien na bana nyoso ya mboka keno, ba ye oyo bazana bakan ya ba déplacer bazonga désormais na kati ya ba cité na bango, bazonga na kati ya mboka oyo bango ba bandaki kozala au départ. Donc ce qu'il faut noter déjà dans les territoires de Rutshuru est que le combat continue, les combats ont été déclenchés depuis lobby pelelo to yokina tongo ya lelo ba continuer ici sous ko betana yango tozolo baka eloko moko. Et félicitations na ba wazalendo, félicitations na ba FRDC, ceux qui ont soutenu bango déjà otia ba félicitations na yo au FRDC mais également au wazalendo. Mais pourquoi pas la bato o pe ba kabela ka yo sango o ba kenda kati kuna po ba ye ba boni makambo ezo salema, c'est-à-dire si et seulement si cette détermination continue comme ça, vraiment nous osons croire que la guerre va vers sa fin. Nous osons croire que la guerre tend sa fin avec tous les enjeux que nous sommes en train de voir, avec ce que l'ennemi est en train de manifester comme faiblesse, avec les attaques oyo ezo salema déjà lelo déclenchement ya bitumba dans tous les coins, dans tous les territoires, vraiment nous osons croire que dissiper avec la détermination que possède ces derniers temps Banamboka, vraiment nous osons croire que eloko yango et kokende liboso d'ici là, c'est-à-dire le FRDC na courage o bozanango, le FRDC na makasi o bozanango, na détermination o bozui mikoloyo. Donc esengeli ka bo continuer, personne pourra libérer la nation ici si c'est pas vous, personne akoya ko betana likolo ya mboka oyo koleka binote yango boza kati na soutien, boza pena soutien ya bana nyoso ya mboka, ya bana nyoso ya terroir, na baye oyo bazana diaspora, na baye oyo bazana kati ya mboka, bango nyoso bazoloba félicitations na courage baza na sima na bino. Soto zongeli ba sango oyo ya territoire ya Masisi, loin de territoire ya Rutshuru, il faut déjà noter que jusqu'à présent, 9 ngomba oyo ezalaki na kati ya maboko ya M23 oyo depuis dimanche les jeunes résistants wazalendo et les FRDC ont eu la capacité à kozua, c'est-à-dire au travers de la formation nyoso ba bandaki ko bakisa boni ko beta na bangomba bazalaki na makoki pe bazwaki pe makoki ya kokimisa munguna na kati ya 9 ngomba, c'est-à-dire les 9 ngomba dans le territoire de Masisi, c'était aussi des ngomba où ils étaient tellement stratégiques. Des collines tellement stratégiques auxquelles les M23 s'encamparaient déjà. Mais à présent, nous vous disons que depuis le dimanche jusqu'à présent, ces collines appartiennent jusqu'à présent à Maboko, yaba jeune résistant à Wazalendo. 4 localités se trouvent sous occupation des jeunes résistants Wazalendo, mais également des FRDC. Différemment, contrairement de ce qu'on observait depuis le temps, et que les jeunes résistants Wazalendo se battaient, les FRDC se battaient, bazoua, babandaki, gozoua, bab village, mais peu après, quelques 2 jours après, ezongi namaboko, il y a M23. Le cas qui est le contraire jusqu'à présent, c'est une bonne nouvelle que vous devez déjà savoir. Na bino bofandi na diaspora, na bino bofandi n'importe wapi na kati ya mboka, sachez déjà que le 9 collines oyo kendaki na maboko ya FRDC déjà depuis le dimanche oyo tiki koleka jusqu'à présent eza toujours na kati ya maboko ya FRDC. Yango tozo supplier gouvernement congolais ezo ba disposition nyoso ya kosala eke ba place oyo bana mboka bazo zwa ezonga lisusu te na kati ya maboko ya M23. Dans les villages de Chacha, c'est par là où les affrontements sont tellement concentrés ces 2 jours ici, c'est-à-dire autour de la cité de Chacha. Dans la cité de Chacha, il faut dire, une partie est occupée par les rebelles du M23, une autre partie occupée par le jeune résistant Wazalendo et les FRDC. Yango bazo ça la concentration, vous pouvez déjà écouter même dans cet après-midi que les jeunes résistants Wazalendo ont tué et ont délogé les rebelles du M23 dans la cité de Chacha. C'est-à-dire, vraiment, ces gens sont en train de travailler.
ces gens donnent leur mieux, ces gens font ce qu'ils peuvent faire pour que espace Oyo Banguna Bazali ezala libéré. Il y a d'autres stratégies Oyo Bazo étudier pour voir comment est-ce qu'on va déloger aussi l'ennemi de la cité de Mushaki. Donc on est en train d'étudier, ils sont en train d'étudier ça pour voir comment est-ce que va déloger Munguna na katia terroir wana. Rassurez-vous très bien que Munguna n'a plus la force. Qu'on ne vous trompe plus. Nous, on est sur le terrain. Moi, j'arrive au front presque chaque jour. Je vois ce qui se passe. Comme le M23 est venu, et aujourd'hui, il n'y a plus la force. Bako Sabinoté, il n'y a plus la force. Seulement que, j'ai oyezo betana, baye oyo bazo soutenir M23. Baye oyo bazo tia M23 mobulu. Yango etikike M23 etika lawana jusqu'à présent. Voyez, déjà nommé quelqu'un comme Corneille Nanga à la tête du M23, quelqu'un qui n'a jamais été militaire, qui se donne le courage, le poids de s'habiller même en militaire, c'est pas grave. C'est pas que non, les Congolais battent les Kokololoba. Moi je vous parle de faits qui se passent, des réalités. Les opposants entre eux, Boni Bazo Salena, au commerce opposé, les phares de ce M23, Boni Ezo Kende. Ces derniers temps, il faut bien les signaler que la victoire est certaine du côté de FRDC. Yango M23 tikali ka ko largué ba bombe. Basali ba ravitaillement ya batuna bango ba bomi bango. Une précision de taille qu'il faut dire ici, une très grande précision qu'il faut donner ici est que ba M23 ba yaka ka en renfort be ba zonga ka te. Où est-ce que soki ba zonga ka te ba tikala ka wapi? Soki ba zonga ka te ni les la finalité. Il y a toujours des troupes qui sont augmentées du jour au lendemain. Chaque jour, ils viennent. Mais Batika la kawap. Batika la ka na mabele à Congo. Bazo koma ba engrais chimique awa. Banyama ya bazamba zo lia bango. Bazo tike la bakufi, bakufaka, bazo ngakate. Ils viennent à renfort, on les frappe comme il faut, ils restent ici. C'est-à-dire, bana terroir, na eloko ezo salema. Soyez confiants derrière les Wazalendo. Soyez confiants derrière le jeune résistant patriote, dit Wazalendo. Soyez confiants avec le FRDC. Soyez confiants na bakonzi ya mboka. Bangonde, sengel to tia pression. To tia bakonzi pression. Mokonzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi. Oya zo tambola toujours na voix oyo bandeko oyo ya Congo. C'est-à-dire, peuple congolais sengeli e lobby nde oyo e sengeli ya salel. Peuple congolais lobby, messieurs les présidents, ne dialoguez jamais avec le M23. Les accords au Bazolo, les Congolais, les Boy Yango, Bango Bandimi, voie militaire, les pacificateurs, les Katia, les Kambo Bazolo, les Keno, entre les frères africains, et c'est nous. Bison de Bazo attaqué. Nos frères sont en train de souffrir dans les camps de déplacés. Voyez comment est-ce que les camps de déplacés. Ezaya Kotonda. Tala boni mbula ezo beta bozo tala. Wana tozo sala ba visite na baka. Yaba déplacé. Vous voyez ce que les gens sont en train de vivre. Vous voyez à cet état ici à mbula. Mikolo mbula ezo beta koto kompa possible. Voyez la vie que ces gens mènent. Vous voyez que la vie que ces gens sont en train de mener. La vie que ces gens de déplacés sont en train de mener. Tout ça pourquoi? Parce que les rebelles du M23 ont accepté que ces gens souffrent ainsi. Bana Yamboka, Corneille, est-ce que vous voyez ce que Bana Mboka Bazo Tala? Voyez comment est-ce qu'ils sont en train de souffrir. Nous nous rendons là-bas pour les offrir ce qu'on paie. Yango Tozo Benga Bino Boza partout, de partout où vous vous trouvez. S'il vous plaît, qu'il vous plaise de venir en aide les déplacés de guerre. Qu'il vous plaise, s'il vous plaît. N'importe quoi, oye kozalanango. Il y a des fois, tozo akaba eloko. To keikuna. To sali na bango partage. To lambi na bango elongo. To lié na bango elongo. Ça leur fait du bien. Ceux qui sont en train de souffrir dans les camps de déplacés sont nos frères. Ceux qui souffrent dans les camps de déplacés sont nos sœurs. Ceux qui souffrent dans les camps de déplacés sont nos mères. De partout où vous vous trouvez, au diaspora comme au pays. Tinda et loco quelque chose côté pour n'a déplacer. Sunga bango, tu peux être à Goma, tu à Lubumbashi, tu es où? Ozana et Lambo là, takate. Tinda yango, acheminer yango de l'autre côté. Eko sunga batu.
ba mama bali puta wana bolata ka te koza batu bazo souffrir na bakaya ba déplacer. C'est le temps, c'est le moment. Eza ba ndeko na biso, eza ba frère na biso. Si c'est pas nous o toye na ba aide na bango, ti na ya koya na aide na bango. Qui va les aider? Qui va les venir en aide? Il y a personne, c'est-à-dire il est temps de venir en aide pour ces gens. Il est temps que chacun se mobilise na niveau naye to sunga ba ndeko na biso wana. Bazola la mabe, bazoli amabe, bana bazo souffrir. Tika ko finga biloko turoyo. Tika ko sala ba commentaire. Venez avec vos actions. Il n'est pas temps d'ingérer la nation. Il n'est pas temps d'ingérer le gouvernement. Il est temps de venir aider nos frères. Ni les Wazalendo, venir soutenir. Ni les FRDC, venir soutenir mêmement le déplacé de guerre. Il faut qu'on y a kosunga bango. Tout le monde sa amour na biso, les colons bande kona biso. Si c'est pas comme ça, donc ekosimba ka jamais. Pour finir, il faut noter que la SADC et le FRDC ba continue na bango ba mission, bazo sale longo, la SADC est en train d'apprendre aux soldats FRDC boni ko manier ba armes lourdes au Isaya Mboka. Donc bazo apprendre bango neke botali wana. Bazo apprendre bango du jour au lendemain comment manier les armes, comment utiliser les armes lourdes. Je vous dis vrai, et ça, c'est par une détermination. Il y a nani, il y a FRDC. Les FRDC ont les soucis. Il y a Kozoua Bamandou qui attend Nyon Soana et Zana ba entrepôt, ba logistique, ba salabitouma. Yango moni. Baza koutouna Mandou qui oyo, ba moko ba ebi osali la te. Yango bazo formé bango davantage. Le jour que la guerre sera déclarée ici, ce ne sera plus même le M23. Non, non. On ira loin du M23. C'est-à-dire, on va même s'affronter à ces nations où ils sont en M23. Ce n'est pas seulement le M23. Té, tu es bipé, ma nation, nous sommes en Akati. Tu es bipé, Union européenne. Vous appelez Simaïma Kambouana. Vous aurez affaire avec la RDC. Moukolo Bitumba éco déclenché. Vous aurez affaire avec la RDC. Il faut noter à la fin qu'une grande réunion a été tenue ce samedi 27 février entre les commandants des forces terrestres et commandants des opérations au Nord Kivu et Sud Kivu, le lieutenant général Fulsi Kabwe avec le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et la SAMI RDC aux installations de SAMI RDC, c'est-à-dire aux installations de la SADC, bakonzi bazalaki wana lobby, bazaki na réunion moko monene ndenge botali tuzaki na bango elongo. Donc bazalaki bazo lobela ba situation oyo boni bakozwa pla po babeta munguna. Rassurez-vous que les FARDC ne dorment pas. Rassurez-vous que bana terroir bazola la te. Rassurez-vous bino bolobaka ke non SADC ya kusunga moko bo ebite boni baya baya ko soutenir mais baya ko beta na principalement te principalement vita Bitumba, Eza, il y a FRDC. Principalement, la guerre, c'est pour le FRDC. Mais on les partenaires. Il y a un gros bazaki lobby na réunion. Ndenge botali wana, tuzaki na bango, ba photo, tokangaki, ba image. Donc, tuzaki na bango, ba solo le Bitumba, ba zuzwa ba pla, boni ba konetralize munguna. Et je vous dis vrai, dissipé, biloko, ezo simba nango. Soyez confiants. Des Congolais partout, bozali, soyez confiants. Biloko, eko simba nango. C'est pas parce que moi je prends à côté à Bango que non je suis en train de défendre l'armée, que Nazo sale à Bango Badjalelo, que Naza porte parole à l'armée. Non, loin de ça, je reste journaliste. Na cadre à Koloba que non Nazo et c'est un débio solo, il y a biloko tozotal. Par rapport au temps passé, na lelo détermination oh ya FRDC, biloko et kosimba nango. C'est que les FRDC sont en train de nous montrer sur le terrain. Bien qu'il y a un problème dans les dans leur commandement. Bien que il y a encore certaines choses au bazana nous faible bazo kwa na bango, mais ce qui se donne to ebi biloko ezo ke nango bien pe ekosimba yangwana bakonzi ya mboka balobaki le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a bengi pe ba civil ba ya bazala bomoko na armée ba tia matoi na bango te na munguna oyo azolinga a désinstabiliser ba civil po a se met trouble pe kobanga na kati ya bana mboka.
Voilà donc les informations oyo tozaki nango pona yo lelo. Voilà donc les détails ya makambo oyo ezo salema na kati ya mboka na biso. Comme je le dis au départ, je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation basé à l'Est de la République oyo aza chargé comme Melayo Basango. Merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que nous serons encore ensemble à la prochaine pour un nouveau numéro, surtout que wana na ningina mirandre susu na kati ya makambo na kati ya front na kati ya terrain pona yeba toyeba ba vérité ya makambo ndenge ezoleka. Merci les dames et messieurs de nous avoir choisis, de nous avoir suivis de partout où vous nous suivez. Je reste disponible au plus 243 993 46 71 93. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de nous soutenir, n'hésitez pas de soutenir, mais également les jeunes résistants Wazalendo, les FRDC, mais également le déplacé de guerre Ozana quelque chose qu'il vous pleut de Cotine d'Ango. Tout mon abonné, tout mon bango, tout zala kanabango, et l'ongo n'engue botiki comme on a la vidéo, on a tout visité kabango chaque jour. Mon akamuto a tazana quelque chose. Au komiwana difficile, kozonga lango pour la nini, il faut partager na ba frère na yo. Surtout, de partout où vous trouvez, venez nombreux pour que tout sunga bande konabiso. C'est la fin de cette émission, les dames et messieurs très chers fidèles de Congo Live Télévision. Passez une excellente journée et à la prochaine pour un nouveau décryptage.